Salut à tous, aujourd'hui c'est un premier épisode de Release sur un live, a sort of homecoming d'Anathema. Anathema est un groupe britannique formé en 1990. Au départ un groupe de metal extrême avec du death et du doom metal, Anathema évoluera petit à petit vers un rock atmosphérique et progressif, particulièrement sur ses derniers albums, Weather Systems en 2012, Distant Satellites en 2014 et sur le fameux live Untouchable Universal enregistré en 2013. Ce nouveau live est acoustique, et l'originalité de cet album vient du fait qu'il a été enregistré dans une cathédrale, lors d'une tournée des cathédrales européennes. A Sort of Homecoming se plaçait dans la cathédrale de Liverpool plus précisément, et le groupe a joué quelques-uns de ses classiques progressifs, The Lost Song, Untouchable, Thin Air, Electricity. Le groupe disait dans une interview il y a quelques mois que c'était un grand honneur que de jouer dans des cathédrales, et que ces édifices majestueux alliés à des effets de lumière rendaient merveilleusement bien. Un peu comme les illuminations de la cathédrale de Strasbourg qui ont lieu en été. Ah, ça aurait été tellement bien qu'ils y jouent. Pour la petite anecdote, je devais aller les voir l'an dernier à Strasbourg, mais la grande salle de concert de la laiterie a été inspectée et a dû fermer pour réparation pendant une petite période. Du coup, j'ai raté Anathema, quoi. Bon, je me suis rattrapé avec le concert de métal progressif d'Animals as Leaders et de Tesseract, dont j'ai parlé dans un épisode de Back On. Bref, j'ai hâte qu'il repasse, et je vous conseille le live Untouchable Universal, qui est vraiment un bon exemple des prouesses atmosphériques du groupe. Si vous avez regardé ou écouté le live A Sort of Homecoming, ou si vous avez assisté à un des concerts de la tournée des cathédrales, partagez votre expérience dans les commentaires, ils sont là pour ça. En tout cas, partagez l'épisode et mettez-y un pouce vert. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.